c'était devenu une douce habitude. Une victoire lensoise à l'extérieur au bout du suspense et une communion extraordinaire avec le public. Fin de saison dernière, Lens passe les deux premiers tours de barrage avant d'échouer aux portes de la Ligue 1 contre Dijon. Les joueurs ont été fiers, ont joué le coup jusqu'au bout. Les gens dans le bassin minier, on est habitué à ce type de souffrance, on va sortir de là plus fort, vous allez voir. Et l'an prochain, on essaiera d'éviter les barrages, on essaiera de passer directement. Des joueurs tête basse et des supporters inconsolables, saison terminée. Quelques semaines plus tard, l'enthousiasme est de retour. Le recrutement des sang et or pour cette nouvelle saison fait saliver les supporters. Pas moins d'une dizaine de recrues, dont des joueurs confirmés de Ligue 2 mais aussi de Ligue 1, comme Yannick Cahuzac. J'ai basculé sur le projet de Lens parce qu'il était vraiment attractif et voilà, de voir toute cette ferveur autour de ce club, c'est quelque chose qui me plaît et qui m'attire beaucoup. La ferveur lensoise, déjà à l'œuvre samedi dernier lors d'un match amical au stade Bollard de l'Hélice. Avec un effectif plus complet que l'an passé, Lens semble armé pour remonter en Ligue 1, 5 ans après avoir quitté l'élite. Bien sûr qu'on veut la Ligue 1. Je pense que toute la région veut la Ligue 1. Ce que j'ai dit aux supporters la dernière fois, la seule chose qu'on peut leur garantir aujourd'hui, c'est qu'on va se dépouiller à tous les matchs. On va aller au-delà de nous-mêmes à tous les matchs, parce que c'est le strict minimum en fait. Coup d'envoi de la saison samedi au Mans, avant un premier match à domicile face à Guingamp.